Bon, eh bien, je vous retrouve après que j'aille passer une nouvelle étape de ma vie, là, ce que j'espère sera plus plaisant cette fois-ci-là. Mais ouais, là, pour souligner mon déménagement, là, bien. Et pour la première vidéo que je fais ici dedans, eh bien, jouons un jeu qui pack pas mal de oomph, là. Chimera Base, c'est un jeu d'arcade par Joleco qui n'ont jamais sorti, mais que tu peux jouer grâce aux émulateurs. Traduction time. Sur une planète éloignée similaire à la Terre, une nouvelle forme de vie émerge qui peut absorber l'ADN des autres créatures qui l'ingèrent et assumer leurs caractéristiques. Cette créature, là, sans merci et sans conseil, sont les plus dangereuses et démoniaques là, de tout l'univers. Quel sort attend ces prédateurs anormaux qui sera connu comme tout simplement les mangeurs? Moi, ouais, je suis vraiment une belle traduction chier, là, mais. Mais bon. Moi, ouais, Chimera Base, comme j'ai dit, très sympa, là. Mais bon, je sais que je fais chier, mais avant de commencer, eh bien, j'ai juste découvert que si tu presses sur, bon, ben, F2 puis F3, tu peux voir ce menu-là, puis qu'après ça, cette table, tu peux changer les depth switches, puis changer la difficulté. Je pourrais mettre dans très difficile, mais je pense que je fais chier le monde en faisant ça, des fois, là, pour rien. Du moins, c'est ce que je pense, là, pour cette raison. Mais, ouais. Puis aussi, là, j'ai découvert que tu peux changer à, comme la résolution, là, comme à l'aspect des pixels, là. Raison pourquoi, là, je mentionne ça, c'est parce que, bon, eh bien, je suis un maniaque de la perfection, puis je veux que la résolution, c'est, puis l'aspect de la vidéo, c'est vrai au jeu original. Je veux pas que ça y est tiré d'une quelconque manière, mais bon, peu importe, j'ai des raisons bizarres. Mais bon, ouais, commençons enfin, là. Et puis, ouais, là, ça manque les contrôles, mais je vais vous dire comment ça marche, là. Et puis, on commence comme étant un misérable microbe. Et puis, ouais, c'est un jeu de tir, là. Drôle de coïncidence, puisque je viens juste de faire Rafflesia, mais un truc particulier avec ce jeu-là, c'est que, eh bien, tu peux manger tes ennemis. Je mange une graine qui sort 13 ans. Ok, pis ceux-là, ça me donne des petits bobos, mais les affaires avec deux yeux, eh bien, j'ai plein d'yeux sur mon corps. Oh my god, il y a des ennemis en arrière, excepté que je peux les tuer avec ma queue, là. Tu sais, le fait d'avoir une queue me permet d'introduire de nouveaux obstacles sans être trop chiant, là. C'est sympa, là. Ah ouais, pis ouais, le fait que j'ai plein d'yeux sur. Ok, j'ai perdu mes yeux. Great, je voulais montrer. Oh, le boss time. J'en ai fait qu'une bouchée d'eux. Ouais. Bon, pis allons malmener, poisson. Fuck off! Bon, pis à ça, j'ai plein d'écailles, là. Pis je pense. Bon, ben, ça fait la même affaire que d'habitude. C'est comme ça enlève les projectiles, les ennemis faibles. Mais ouais. À place d'être. Voyons. À place de combattre des monstres qui inspirent la peur au simple regard, tu es ce monstre-là. Mais ouais, c'est vraiment une idée intéressante, là, de. Ben, c'est une idée intéressante, là, tout court. J'aime bien, là. Encore, comme j'ai dit, j'arrête pas de répéter, j'aime ça être glauque, là. Mini-boss, ouais. Ben, tout, je tiens à dire que si j'aurais mis en très difficile, j'aurais inclus 6 points de vie à place de 9, là, parce que, oui, ce jeu-là, il y a des points de vie, là, ce qui est très, comme, unique, là, pour les jeux de shoot'em up, là. Ok, ça, c'est un peu cheap, mais bon. Mais quand est-ce que. Ok, yeah, je peux faire des lasers de la mort. Fuck off, poisson. Puis là, je voulais dire quelque chose d'autre, puis j'ai oublié.
Ah ouais, j'ai quand même deux vies là. Je pense d'habitude j'en avais trois, mais. Oups! Oh wow. Contrairement à Rafflesia, si tu fais un game over, tu reviens pas au tout début là, donc. Je me. Voyons, j'avais les yeux. Oh wow. D'accord, boss time. Je la fais bourrin pour lui là, là. Ok. Là, et tout ça, là, combien de victoires là, tu. Comme stun. Comme un 7 ou plus points de vie, eh bien, tu t'es vraiment gros, t'es rather susceptible de te faire avoir, mais. Mais le plus de dommages, c'est que tu prends le plus petit que t'es, donc tu peux éviter de mes ennemis, donc. D'accord, le gameplay va, marche très bien, là. Nous, ils mangeons des birds, là. Il y a le jeu de musique sympa là. Du scarabée. Un oiseau qui explose. Pas trop y'a, ben les éviter là, je trouve là. Ok, j'essaie de manger scarabée, mais je me fais avoir comme un couillon, hein. Là, la bouche peut enlever les projectiles sur l'écran. Écureuil! Je pense que les écureuils font aucun dommage, ça te fait juste aller plus proche des oiseaux qu'il y avait là, pis ouais, ils sont partis là. Je trouvais ça bizarre. Lazare de la mort! Boss time encore. Encore, je pense, j'ai pas mal dit tout le gameplay qu'il y avait, là, les éléments de gameplay qu'il y avait, là, ouais. Et ouais, on est en train de se battre avec un oiseau vraiment bizarre. Encore, j'adore les designs des ennemis, là. Ils sont tellement cool. Pourquoi on veut plus ça aujourd'hui? C'est plate en maudit, Astor. Je joke pas, c'est vraiment ça que je pense. Ouais, je sais pas pourquoi vous penserez que je joke, mais bon. Ouais, j'ai des pecs. Bon, et mon dira-t-il. Bon, dit ce que je faisais d'habitude, c'est que j'essaie de manger tout, excepté que. Ça me rendait subtil à me faire plus à me faire tuer là, donc moi fais pas ça là. Le champignon là que ça présente. Ah oui, ma grosse queue là, il fait un bébé là. Qui peut attaquer les autres ennemis. Il y a aucune manière de juste. Tu peux pas dire comme grosse queue ça que les gens pensent à de quoi de croche là. Ok, je fais bien un job là, j'aurais dû le mettre en très difficile là à la place là. Mais non. Ben, je dois dire. Mon seule hypothèse pour raison pourquoi ils ont jamais sorti ce jeu-là, c'est parce que, eh bien. Peut-être bien que ça leur a rapporté comme que très peu d'argent parce que, bon ben, comparé à justement Rafflesia, puis le seul autre jeu de tir que j'ai en tête là, c'est Cotton, là. Eh bien, ce jeu-là est quand même assez facile, là. Il y a quand même des bouts de serré, mais en mine, je dirais que maximum, là, j'aurais dépassé comme 2$ là, la première fois, là. Oh, boss! Et moi, ok, là, j'ai vraiment fait mal fait ma job, là. Ok, bébé, là, aide-moi, là.
crocodile avec 5 yeux là. Maudit. Il est juste dégueulasse cette affaire là, j'adore. D'accord, pourquoi on fait plus d'affaires comme ça là? Oh oh. Ok, je peux faire un bébé puis sortir mes yeux de la mort. Ah oui, puis je vous ai enfin montré ça, allons. Donc, je fais bien là, même si j'ai comme... Je suis minuscule. Ah, ok. Yay! Si vous pensez au design des ennemis, là, c'est génial! Là. Oh oh, vous avez encore rien vu, c'est ça le truc! Le jeu te surprend tout le temps! Hein. J'aurais voulu dire ça comme après l'oiseau, là, mais. Mais bon, ça c'est quand même applicable, c'est tout, là! Mais ouais, monsieur. Ouais, tortura les mammifères, là! Ben, mangeons-les, ouais. Ah. Yeah, quand j'ai pas mal tout dit les éléments de gameplay, là. Donc. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je pourrais parler de mon nouvel appartement, justement. Ben. Bon ben, I guess, je pourrais dire qu'au tout début, j'avais comme genre des regrets, j'aurais peut-être aimé avoir trouvé un autre appartement, mais... Tu sais quoi, tu passerais tout le temps ça, là, pour... Voyons. Ok, ça sonne du stress, là, mais... Tu penserais tout le temps que t'as fait un mauvais choix, tu prends un appartement, donc... Bof, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça de toute manière, ça avait aucun rapport, là. Non, je suis quand même content de mon appartement, là. Comme c'est bien placé, c'est dans une vieille partie de la ville, ce que j'aime bien, j'aime ça, les vieilles affaires, là. Ce qui expliquerait peut-être bien, là, pourquoi, là, je vis tout le temps dans le passé, comme présentement, là. Pour ça que je joue appeler des jeux de rétro, là. Non, c'est sûr dans le vieux... Ouais, dans une vieille ville, pis il est aussi juste à côté d'une chocolaterie, là. Ouais, c'est belle fun, ça. Ah, j'ai vraiment rien à dire, là, parce que j'essaie de me concentrer, là. Le point est que j'aime bien cette place-là, évidemment, là. Faut bien si je vais y vivre, si je vais y vivre longtemps, là. Ah, boss time. Contre... oh non, je suis mort. Contre un lion chose, là. Ah. Ok, peut-être bien que je ferais mieux de juste... moi, faire les éclairs, là. M'aiderait à survivre, là. En passant, le feu, je pense, c'est juste du décor. Je... Oh, never mind, ok, c'est la première fois que je me fais toucher par ça. Ok, ça a bugué, là, tout d'un coup. Non, non, je suis mort. Ok, j'aurais peut-être essayé de le toucher, là, après tout, là. Je sais pas pourquoi j'utilisais pas ma bouche, de toute manière. Je faisais le con, là. Je me concentrais trop à... comme pas me faire vautrer par tout. Ok, il vient juste faire une crise, là. Yeah! Qui c'est qui nous attend, là? Oh dear! J'adore comment j'ai rien fait, là, ce bâtiment-là, pis il a juste explosé, là. M'en voulait un autre? On dit ma queue s'est fait exploser là. Mais ouais, on est dans une ville. Ouais.
En passant, les véhicules, tu peux rien recevoir d'eux à part manger les petits bonhommes qui en sortent. Juste à dire, parce que ça m'avait confus pour certains bouts, là. Ok, puis tu sais, je viens juste de dire que le jeu était facile, mais... moi... Yeah, j'ai foncé dans le laser pour aucune putain de raison. Où est-ce qu'il me prend là? Non, et puis il y a des petits bonhommes qui sortent là, des petits vaisseaux là. Mais excusez si vous m'avez entendu roter, j'essaie de pas sonner fort là. Évidemment, mal mon nom l'est un peu ces humains là. Parce que c'est ça qu'on sait faire de la destruction là. Comme disait l'intro là. Non, le boss s'en vient, excepté que le boss c'est pas évident là. Par pas évident, je veux dire que il y en a pas vraiment un là. À part si tu considères ça un boss là, mais. Oh my god! Ok, tiens, c'est ça ce qu'il faut faire, utiliser le laser là. Bon, tiens. Il y a des gens, on va voir. J'aurais voulu les manger, mais. C'était pas possible. Ok, je peux-tu mieux jouer là, sérieux là? Mangeons l'usine. Oh dear, c'est quoi ça, hein? T'as con ça, t'as qu'à faire. Et puis j'ai. Faites une explosion atomique là, puis là apparemment que tous les autres mangeurs veulent prouver leur supériorité là, donc yeah, ça c'est le combat du plus puissant, c'est là. Des crevettes, puis des oiseaux, puis du pussa. Des semi-seuls et tout là. J'ai rien à dire pour le moment là, parce que ça se parle de lui-même pas mal là. Oh, j'aime bien cette musique là. Là et tout, j'ai vraiment une fixation bizarre aux musiques de jeu, mais c'est parce que, bon ben, j'en cherche tout le temps là, pour écouter à job. Je pense que c'est la grosse raison pourquoi, et puis parce que je suis juste pas fan de. Comme. J'aime juste pas les musiques autres que ceux-là des jeux vidéo. Là. Oh, peu importe, Aster, attaquons une navette spatiale, ce qui referme les derniers êtres humains, là. On dit cette affaire-là en prend des coups là en passant. Hein? Et voilà, les êtres humains 100% exterminés. Bon, puis dernier duel à Star contre le roi des mangeurs, je dirais là.
Il y a une multitude d'attaques, évidemment. Non, et puis, préférablement, je voudrais attaquer les cornes parce que cette attaque-là fait chier. Surtout lorsque je suis gros comme ça, il n'y a aucune manière pour moi de les éviter. Là. Tiens. Bon, tiens, ça, il fera plus de ces boules-là. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Là. Bon. Yeah, je suis mort quand même. Puis attaquons ces multitudes de yeux là. Non, boulevard, mais bon, que okay, ça, c'est facile à éviter. Là. Dommage, avoir... Et 1 $ de perdu pour ça, là. Ben, pas perdu, mais dépensé, là. Allez, plus qu'un œil. Et voilà! On est maintenant le roi des mangeurs. Ouais, pis écrire mon nom, là. T'as qu'à faire, là. Aucune raison de faire ça, puisque malheureusement, ça n'arrête pas de les effacer, là. Encore, je suis peut-être la seule personne là, qui s'en fait pour le score. En traduction encore. Les mangeurs ont détruit tous les écosystèmes là, de la planète là, qui est maintenant en ruine. Maintenant, les mangeurs vont traverser l'univers là, à la recherche de plus de victimes. En répétant leur pattern de destruction sur chaque planète qu'ils trouvent. Éventuellement, ils vont trouver la Terre, sans aucun doute. Il faudra que tu vives avec la connaissance que ce qui les a menés là, c'est toi. Et puis, moi... Ah, c'est une bonne fin encore à l'esprit du jeu. Puis il y a des carrés bizarres en arrière-plan. Ben, des signes que c'était pas entièrement fini, mais... Problème d'émulation, je dirais. Peu importe. Ah bah, merci George d'avoir participé à ça. Pas de nom de famille. Oh. Ouais, c'est dommage là que... Ben... Ça a failli tomber dans l'obscurité, ce jeu-là. Là. Heureusement qu'il y a les émulateurs, comme j'ai dit. Et puis ouais, c'était la mauvaise fin. Toutefois, c'était la meilleure fin, là, selon le jeu. Est-ce que je vous montre la... Bon ben... Tant qu'à faire, montrer la bonne fin, là. Je vais le mettre à la fin de la vidéo, mais je pense... peu importe, là. Fais-toi tuer, ouais. Faut que tu meurs dans ce combat-là pour voir la... entre guillemets, bonne fin, là. Tiens. Bon, ok, lave-le, là. Le mangeur a été vaincu. Les autres mangeurs sont donc mangés l'un et l'autre. Bientôt, ils vont causer leur propre extinction, là, retournant la planète à la paix. Graduellement, l'écosystème endommagé va se régénérer lui-même. Et la créature qui avait créé le chaos, là, en mangeant tout ce qui vit, là, dans son chemin, là, a enfin péri, là, et en mangé lui-même.
Bonne fin. Ouais, vous savez que c'était pas à bonne fin, hein? Mais moi. Mais bon, ouais, c'est ça pour ce jeu-là, là. Quand je fais un jeu vraiment sympa, là, j'adore vraiment le look du jeu, là, pis, ben, l'idée, là. Ok, un peu bizarre, là, désolé, c'est parce que j'avais pas dit tout ce que je voulais dire. Non, juste pour dire que je suis toujours dans cette étape-là qu'il faut que je dépacte toutes mes choses, changer l'adresse pour mes assurances, payer le loyer, figurer pourquoi j'avais comme 1052 pièces dans ma première facture d'Internet, là. Puis tout ce junk-là, je suis pas totalement stable dans les affaires de mon appartement. Toutefois, je suis plus motivé pour faire des vidéos maintenant, là. C'est comme je dois dire, ça m'avait bien manqué ces temps-ci parce que je refaisais une à chaque semaine, là. Puis là, je sais pas, là, j'étais vraiment impatient d'en faire plus. Toutefois, là, j'étais tout est dans cette situation-là quand j'étais curé de la vie, là. Mais, toutefois, je suis plus motivé à cette heure. Ouais, puis justement, les plans de la chaîne, les théâtres médiocres, bon, ben, j'en ai fait un, là. Toutefois, je suis toujours intéressé à faire ça. Toutefois, c'est comme, faut que je trouve la motivation de faire ça, puis faire ça tout seul, là, c'est pas des plus évidents, là. Ça me fait paraître plus pour un trou de cul, là, je trouve, là, mais bon, je trouve que ça peut être drôle. Rune Factory était abandonné depuis il y a longtemps, là. C'est la seule place où je dis ça maintenant, mais moi, ouais, j'ai abandonné ça. Peut-être que j'y reviendrai, mais je fais pas de promesses, là. Pokémon Platine, ça va sûrement résumer un certain temps, là, je sais pas quand, mais je vais pas abandonner ça, non, je vais pas abandonner ça, là. Yoshi's Story non plus, il est pas abandonné, toutefois, ça, je pense que ça va devenir ce jeu-là que je vais jouer peut-être bien entre les Let's Play, là, je sais pas, là. Je suis un peu moins motivé pour ça, mais pas assez pour le dropper, là, comme j'ai dit. The White Chamber, évidemment, ça va continuer. Puis Escape from Bogaland va bientôt finir, là. Faut juste que je fasse une dernière vidéo. Puis après ça, je vais sûrement introduire un nouveau Let's Play, là, qui est assez particulier. Puis c'est un point and click, là. Qui est peut-être ou pas Pigeon Blood, là. Ouais, ça voudrait dire que j'aurais deux point and click, mais hein, je sais pas, là, je suis bien tenté à faire cet autre point and click là et tout, là. Mais, moi, ouais, c'est pas mal ça, là. Encore, je vais être plus motivé pour faire mes affaires, puis encore, je le répète, mais je suis content de mon appartement, là. Ça va, là, contrairement à ce que j'ai dit la première fois, c'est comme ça va, j'aime bien là, cette place-là, je veux juste dire. Anyway, à la prochaine. Bye. En fait, je voulais dire quelque chose d'autre là, que j'avais jamais dit en vidéo jusqu'à maintenant. Mais si vous voulez que je joue à un certain jeu plus souvent, eh bien, j'y considérerais comme si vous voulez que je joue plus à Yoshi's Story, eh bien, ça me motiverait plus à jouer à ce jeu-là. Peut-être bien, là, c'est pas garanti, mais je prends ça. Je prendrai votre une demande en considération. Donc, tiens, voilà, c'était la dernière chose que j'avais à dire. Bye pour de vrai, là.